Bonjour, Winnie. Bonjour, Sadeu. Michel? Michel? There's a bag like this on the. Take my cards. It's behind, beside my bed. Take my cards inside. The reading cards. Salut, salut. Je suis en train de démarrer le direct. On va parler. On va vous impatienter déjà. Winnie, ça ne va pas me donner l'argent. Tu as compris? T'occuper de ce qui va te donner l'argent. Sois sélective sur ton argent. C'est d'ailleurs le but de ma vidéo. Donc le studio. Le studio est en cours. On a presque terminé les travaux dans le studio. On fera les podcasts et des interviews. Donc, je compte interviewer des personnes qui vont vous inspirer. Certaines interviews seront en direct, certaines seront rediffusées sur la page YouTube. Voilà. Donc bonjour, bonjour. Thank you. Hi. Ah, je vais super bien. Le sujet de cette vidéo m'inspire de voilà 2024 qui est là,
vous avez des objectifs, vous avez Facebook, vous devez me dire si vous m'entendez bien. Je vais mettre le micro aussi pour voir. Vous m'entendez sur Facebook? Bonjour et bonne journée à vous aussi. Facebook, vous m'entendez? Bonjour Nad. Ok, si vous entendez, c'est super. Si tu as écrit, on ne t'a pas répondu, tu écris encore, mamie. Tu écris, on ne t'a pas répondu, tu écris encore. Ok? Je demande la sagesse pour pouvoir bien vous passer ce message. Que les instructions qu'ils m'ont données me reviennent exactement telles que j'ai reçu. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression d'être comme dans un seau. Vous essayez de sortir. Et plus vous essayez de sortir, plus vous vous enfoncez. Vous avez commencé un business, commencé des activités. Et si vous me suivez déjà depuis un mois, vous savez que je milite beaucoup pour que chaque personne qui tombe sur mes vidéos apprenne à être égoïste, se débarrasse des personnes qui le bloquent. TikTok, ça bug toujours. Si ça bug ici, c'est ce que je vais faire juste sur Facebook. Et le truc, c'est que une personne en moyenne qui est, donc en moyenne, comme on dit en anglais, de average, une femme normale qui tombe sur ma vidéo, sur ma page, les problèmes que tu as, tu es sûrement, si tu es marié, tu es bloqué dans un mariage où tu as l'impression que tu n'avances pas. Très peu de personnes sont épanouies dans leur foyer. Écoutez, je ne suis pas en train de... Je ne suis pas pessimiste. Mais nous sommes dans l'ère de l'épanouissement. Si on était né il y a de cela 100 ans, c'est-à-dire que on aurait eu 30 ans, il y a de cela 70 ans. Je pense que ceux qui avaient 20 ans en l'an 70 ou l'an 80, ils n'avaient pas les mêmes idées que nous. Avec le téléphone qui est dans la main de tout le monde aujourd'hui, avec les connaissances ésotériques qui sont dans les oreilles de tout le monde, c'est comme si nous sommes dans l'ère de la libération. Même les femmes musulmanes aujourd'hui sont en train de vouloir se libérer. Les femmes africaines sont en train de vouloir se libérer. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que les gens sont européens ou en Europe qu'ils sont épanouis, hein. Donc, c'est une libération qui arrive. C'est comme si c'est toute la terre qui est en train de shifter dans une autre dimension. C'est la terre entière qui est dans une autre dimension.
Ceux qui souffrent le plus, ce sont les pionniers, les premiers. Un peu comme on appelle ça en anglais « pace setters ». Ce sont eux qui mettent la vitesse. Ce sont eux qui sont devant. Comme quand vous partez en randonnée, vous avez toujours une personne qui marche devant vous. Entre autres, les femmes prédicatrices, les femmes coachs. Je ne parle pas des hommes, vraiment, monsieur le capitaine. Je dis ce qu'on m'a dit de dire. Et je ne vous le cache pas, mon message, c'est pour les femmes. Je ne suis pas féministe, mais mon message, c'est pour les femmes. Je ne veux pas je ne sais pas comment je peux dire. Les personnes que je veux toucher, ce n'est pas tout le monde. Rares sont les gens dehors là, qui parlent aux femmes. Donc, je parle aux femmes. Je veux pas me sentir mal parce que mon message s'adresse principalement aux femmes. Voilà. Donc, je disais que ce sont les pionniers qui en souffrent. Parce que ils vont être mal vus dans leur communauté. Quand une femme décide que elle ne veut pas avoir d'enfants. Tu sais ce que c'est que de vivre dans une société, dans un quartier où tout le monde te regarde mal parce que tu n'as pas d'enfant? Tu ne leur demandes rien. Tu ne manges pas chez quelqu'un. Tu ne fais rien chez quelqu'un. Personne ne te donne l'argent. Personne ne paye ton loyer. Mais ils ont un problème avec ton mode de vie. Bon anniversaire, Déborah. Et tu ne pars même pas chez eux pour toquer, pour dire que donnez-moi vos enfants en vacances. Non. Tout commence quand tu commences à comprendre que ce que ma mère a vécu, ma grand-mère a vécu, c'est dans mon corps. Je ne veux pas vivre ça. Tu as grandi en voyant ta mère souffrir. Personnellement, j'ai été élevée par une maman. J'ai grandi chez ma mère qui vivait chez sa mère à elle. Donc, c'est ma grand-mère en majorité qui m'a élevée. Et ma mère, c'était une hustler. Elle est déjà partie, donc je communique avec elle autrement. Ma mère, c'était une hustler. Elle m'a eu quand elle avait 18 ans. Elle a arrêté l'école. Les gens utilisent mon identité pour vous arnaquer. Vous avez mes pages officielles et vous avez mes contacts. Si vous partez donner de l'argent aux arnaqueurs, c'est votre problème. Si tu veux me contacter, tu vas venir sur ma page me contacter. OK? J'en parle ici tous les jours. Tu vois, ma page a 400 000 abonnés. Tu vois une page avec 2 000 abonnés, viens te faire la demande ou c'est quoi? Tu veux que je te dise pourquoi? Donc, ma mère a commencé à bosser quand elle avait, je crois, 19 ou 20 ans. Elle a d'abord fait le restaurant. Après, elle a fait la cabine téléphonique. Après, elle a fait le bar. Quand ma mère avait dans les 27, 30 ans, j'ai commencé à voir ma mère avoir beaucoup d'argent. Mais il y avait toujours l'étiquette sur ma mère que tu n'es pas mariée. Et je me rappelle de temps en temps, ma mère, je ne vais pas vous mentir, ce que je prêche aux femmes aujourd'hui, j'ai vu ma mère subir ça. L'étiquette de tu n'as pas encore fait d'enfant, pourquoi? J'ai été seul enfant à ma mère pendant 17 ans. 1-7. C'est quand j'ai 17 ans qu'elle a accouché le deuxième enfant. Et elle est morte 2 ans après que cet enfant soit né. Donc ma mère est morte quand elle avait 38 ans. Ma mère a essayé longtemps. Essayé de se marier. Et en tant que petite fille, quand je revenais souvent, parce que j'ai vécu avec des tantes aussi, quand je revenais à la maison de temps en temps, je la voyais. Et il y avait des choses que si tu as l'enfant de 8 ans, tu ne vas pas quand même lui dire.
Parfois, elle me demande que si ma mère était en vie et qu'elle avait, elle était dans l'air, ma mère est morte, ça fait 16 ans. Hein. Si elle était dans l'air de TikTok, Facebook, si, je crois qu'elle aurait accepté ce qu'elle commençait déjà à comprendre à l'époque. Il y a des mamans que c'est à 45 ans que tu te découvres. C'est à 45 ans que tu te dis, mais attends un peu, j'ai déjà un ou deux enfants. Mes business marchent. J'ai essayé une ou deux fois. Et hier, je vous ai fait un message sur TikTok. Écoutez, c'est maintenant que, heureusement que j'ai compris ça tôt. La femme en tant que mère, incubatrice, on porte l'enfant ici. La femme a tellement de puissance. Tellement de puissance en elle. L'homme est capable de rester. Il est dans le mariage avec toi. Ça, il sait que ça ne va nulle part. Il ne sort pas et il ne veut pas que tu sortes. Combien d'entre vous, vous avez été dans des foyers, des relations? En passant, si tu n'es pas encore marié légalement avec quelqu'un, ne pas pas signer. Quand tu signes l'acte, sortir de l'acte, divorcer, c'est dur. Divorcer, c'est dur. Dans l'époque où nous sommes, malheureusement, ça c'est au moins depuis déjà 50 à 70 ans, nos hommes ne sont plus des protecteurs, nos hommes ne sont plus responsables et il y a une sorte d'esprit de sangsu dans nos hommes. Vous écoutez, si mon dialogue vous, c'est trop fort pour vous, sortez du direct, je vous en prie. Je veux pas vous secouer. Si vous ne vous sentez pas prête. On a affaire à des hommes sensus. Même dans la période où ils te draguent. Même dans la drague. La veille de ton mariage ou une semaine avant le mariage, tu sens que je ne dois pas me marier. Tu le sens dans toi. Ah, qu'est-ce que ma famille va dire? Ah, qu'est-ce que je le fais pour les enfants? Ah, qu'est-ce que... Et dans l'air où nous sommes, c'est difficile. C'est difficile pour une femme, avec tout ce que tu connais, de rester et de te taire. Ton corps va prendre la maladie de ça. Je vais maintenant, je vais beaucoup enseigner. Je vais, les podcasts que je vais faire là, je vais beaucoup parler. Je veux que tu restes comme ça là. Si tu as pris une décision que je sors de ce mariage, tu mets tes écouteurs dans le train, oh, dans la cuisine en train de préparer, oh, tu écoutes le podcast. Dans chaque femme que vous voyez, il y a une milliardaire. Je n'exagère pas. Il y a une milliardaire. Et je vous dis toujours, dans mes enseignements, vous savez que je vous dis toujours, tu peux partir de rien. Zéro. Ce qui vous bloque, les énergies que vous avez acceptées autour de vous. Voilà votre premier blocus. Et vous savez, quand vous commencez à vous laver avec le sel, c'est un peu comme c'est le piège. Le lavage au sel, c'est le piège en fait. Le lavage au sel enlève tout ce qui t'alourdissait. Ça enlève les gnien, gnien, gnien. Le genre que tu veux dormir, qu'il faut là. Ça fait même à 4 heures, tu es debout. Tu n'as plus sommeil. C'est ça le lavage au sel. Et comme beaucoup de femmes, c'est beaucoup de femmes qui vont faire le lavage au sel. Tu n'as pas besoin d'avoir peur du mariage. Mais beaucoup d'entre nous, quand on grandit, en grandissant, on nous donne l'objectif de notre vie. Cherche l'homme. Fais l'enfant. On ne te dit pas, il faut avoir un jet privé, il faut avoir... Est-ce que vous savez que nous manifestons ce que nous voyons? Tapotez le direct, s'il vous plaît. Si ça bloque trop, vous me dites, déjà, ce qu'elle peut faire. Prista, Florence, est-ce que tu sais que si depuis que tu es petite, on t'avait dit que tu peux avoir une Range Rover, on t'avait dit que tu peux avoir 10 hectares de terrain, si on t'avait dit que tu peux avoir...
3 Prado 2023. Est-ce que tu sais que si on t'avait dit, c'est que c'est ce que tu as. C'est pour ça que je vous ai dit que ta richesse dépend de toi. Tout ce qu'on t'a mis dans la tête. Voyez un peu les pensées et les attentes des autres comme une éthique. Écoutez, hein, je suis rentrée en Afrique parce que je suis convaincue que peu importe là où tu es, tu peux devenir riche. Je veux que tu restes à Bafoussam, à Badjoun, à Yamsoukrou, à Yopougon. Hein? Tu restes à Port-Gentil. Tu deviens milliardaire. C'est possible. On a bloqué les possibilités dans vos esprits. Voyez ce que les gens veulent de vous, genre. Voyez cette étiquette-là, l'étiquette-ci. Ça, c'est, tu te maries quand? Dès que tu sors ou tu arrives à la réunion familiale, on prend son mets sur toi. Tu te maries quand? Tu te maries quand? Tu fais l'enfant quand? Et cette étiquette qu'on met sur toi, ça vient influencer tes pensées, tes projets et tes désirs. Tu me suis? Si vous saviez à quel point les gens avec qui vous parlez vous influencent. Et Dieu. Dieu. Hier, je suis en autre dimension de radicalité. Radicalisme, radicalité, je m'en fous. Vous allez suivre ce qu'il veut dire. Tellement de personnes sont autour de vous. Seulement le fait que tu penses à la personne le matin. Tu passes, tu la vois, elle passe. Quand elle passe comme ça, elle ne te plaît pas. Vous n'êtes pas en de bon thème. Ça t'a déjà coupé au moins 3 millions. Règle numéro 1. Ne vivez pas avec les gens qui ne vous font pas vous sentir bien. J'ai certains pays où j'ai les maisons où j'ai 4 chambres. Il y en a, c'est 2 chambres. C'est vide. Parce que quand j'atterris là-bas, je ne veux pas le stress de quelqu'un. Je ne veux pas les maux de tête de quelqu'un. Là où tu es là, ma chérie, tu peux avoir 10 logements, résidence, appelle ça comme tu veux. Tu peux avoir dans chacune de ces résidences-là, les voitures, les grosses voitures. Si tu savais ce que tes ancêtres, tes guides veulent te montrer, veulent te donner comme idée. Supposons, tu es dans une concession où tu payes 25 000 le mois, 30 000 le mois. Vous discutez la corde pour sécher les habits. Discutez la corde là. Si tu savais comment ça te vole l'énergie, et l'énergie c'est l'argent. Tu te laves au sel depuis 3 mois. Tu avais le rhume. Tu ne pouvais pas préparer. Il t'a chassé de la maison. Oh là là, les filles. Si vous saviez comment vous donner l'énergie à vos partenaires. Si vous saviez comment vous nourrissez vos partenaires d'énergie. Oh, Jesus.
Seulement le fait que tu sois dans la maison de cet homme. Christine, tu ne peux pas savoir que tu es un atout pour lui. Votre problème, c'est que vous doutez beaucoup de vous. Comme tu te laves au sel-là, tu peux décider que le mois-ci, actuellement, tous mes ex, j'ai dépassé leurs revenus. Je ne vois pas un de mes ex avec qui j'ai été qui me dépasse en revenus. Je ne vois pas. Karima, bonjour. Parce que je reste avec toi un mois, deux mois. On est au téléphone tous les jours, comme ça, appel vidéo. Ha ha. Quand je raccroche, l'esprit me dit, tu as ton énergie est en train de partir à l'homme-là. Arrête. C'était très difficile pour moi au départ, je ne vais pas vous mentir. Ça fait 2 ans et demi, on est en 3 ans cette année, que j'ai arrêté mentalement d'essayer, d'attendre, de demander ou même de penser qu'un homme doit m'aider. Le dernier, c'était en 2021. C'est celui qui payait mon bureau, il payait mon loyer, il payait mes employés. Tout ce qu'il voulait, c'était que je parle avec lui au téléphone. C'était une relation à distance, hein. J'avais l'argent pour le shopping, au moins 300 000 au mois. À part le fait que mon loyer, tout soit payé. Chaque fois qu'il prenait le téléphone, je parlais. Parce que j'ai un truc en moi que je suis très... J'écoute la voix de l'esprit, je sais que vous écoutez. Mais avant, vous n'obéissiez pas. L'année 2024, tu vas commencer à obéir. C'est quelque chose d'écouter la voix de l'esprit et de savoir que j'aurais dû faire ça, je dois faire ça. C'est une autre chose que tu break up avec un monsieur qui te donne tout, qui paye tout. Il dit que pourquoi, why are you breaking up with me? Dieu m'a dit qu'il faut que j'arrête la relation avec toi. C'est fou, non? J'étais dans un cycle répétitif, sans fin, avec cet homme pendant 9 ans. Je l'ai rencontré en 2011. C'est en 2021 que j'ai coupé. Et depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, cette personne-là, God leave. Tu peux rester. Les seules personnes que je tolère actuellement à côté de moi, ce sont mes employés. Chanel, tu es dans une relation où au fond de toi, tu sens, on te dit que, ok. Bonne année, monsieur Guy Ferdinand. Les seules personnes que j'arrive à tolérer, parce que plus tu écoutes la voix de Dieu, plus tu deviens exigeant. Et les personnes qui vont vouloir te faire du chantage, ce sont tes personnes comme quoi? Ton amoureux, ton amoureuse, tes enfants, les membres de ta famille, tes amis. Je ne prends plus les amis dans ma vie. Pourquoi? Quand tu es dans ma vie, je dois déterminer quelle est la relation fixe que j'ai avec toi. What is the thing? Il y a quoi entre nous? Ton gars ou ta copine va vouloir influencer tes choix. Or, quand tu commences à écouter la voix, parce que la voix que tu écoutes veut te sortir du trou où tu es pour t'amener dans les bonnes choses. Maintenant, ton gars ou ta copine t'a connu
Tu étais, supposons un homme te connaît, tu as un salaire de 100 000 au mois. Si bien que quand il te donne 50 000 pour compléter ton salaire, là, tu dis, hé, hey, merci chérie. Hé, B, hé, mon tout, mon poutoulou, mon poutoutou. L'esprit qui est en train de te guider, qui est l'esprit de vérité. Quand cet esprit-là, tu l'écoutes et tu fais ce qu'il te montre. Dans maximum 4-5 mois, tu seras dans les 200 000. Ça va commencer à multiplier. Le mois qui suit, tu te retrouves à 700 000. Le mois qui suit, 1 million. Or, ton gars, avant de te donner 50 000 le mois, il était dans ses 300 000. En l'espace de 3 mois ou 6 mois, tes revenus sont égaux aux siens. Un an plus tard, tu touches 3 fois plus que lui. Dans son esprit, il va commencer à tourner les paroles pour te bloquer. Tu n'obéis pas. Hein, tu es quel genre de femme? Et les choses qui vont que l'esprit va te demander de faire pour multiplier tes revenus, ça va prendre ton temps. Et tu ne prépares plus la nourriture. Chérie, j'ai pris une ménagère cuisinière que je paye. Non, tu travailles tard. Oui, je finis le travail à 20 h. Avant, je finissais à 14 h. Ça va l'énerver. Tu restes, tu commences à voir. Ah, un client m'a payé 500 000. Et il voit que 500 000 là, il peut avoir ça en 3 mois. Toi, tu viens d'avoir 500 000 la semaine-ci. Peut-être la semaine prochaine, tu as 300. La semaine, donc en un mois, je te retrouve avec 1 million. Oh non, non, non. Tu vas avoir des problèmes. Soit tu vas vouloir tu vas te sentir mal. Tu vas prendre ton argent. Tu vas lui donner. Ou bien te sentir. Oh, un argent que tu as travaillé. La façon dont tu vas vouloir l'investir ne sera pas la même chose que quelqu'un qui n'a pas travaillé cet argent. Je vous dis la vraie vérité ce matin. Moi, dites-vous la vérité. Combien de fois vous avez pris le surplus de votre argent? Je parlais l'autre jour avec une de mes amies. Elle me dit, son premier amour, elle a porté, sa soeur lui avait donné 500 000 pour faire son passeport, son passeport. Elle a porté 500 000 et partie de nos gars. Elle est rentrée dire à sa soeur qu'on a volé. Inconsciemment, c'est comme s'il y a un centre de formation pour les hommes. Vous êtes séparés. Ce qui fait mal, c'est que votre enfant souffre de cette situation. Merveille, votre enfant ne va pas mourir, mamie. Tu as compris? L'enfant ne mourra pas parce que tu t'es séparé de son père. Cherche ta santé mentale, ma chérie. OK? Cherche ton bien-être mental. You will not die, baby. You ain't gonna die, girl. Tu ne mourras pas, bébé. Tu as compris? Donc, je dis, soit tu vas porter cet argent, lui donner à chaque fois, ou bien te sentir. Soit tu vas les mettre dans des business qui vont faire qu'on t'escroque. En fait, tu fais du sabotage, de l'auto-sabotage. Oui. Et une autre chose qui va se passer, si jamais tu montes en vibration et que cette personne reste en bas, tu vas essayer de lui montrer, fais comme ça, non? Genre, mais c'est facile de gagner de l'argent. Mais regarde, je fais comme ça, comme ça. La personne ne comprend pas. Je me rappelle une fois, je sortais avec quelqu'un. Je suis très forte dans les meublés. Logement meublé, je suis très. Ça coule dans mes veines.
Donc, la personne, plusieurs fois, je suis sorti avec des gars qui ont, au lieu de me demander que je leur montre comment je fais, qui ont voulu prendre mon concept et je lui ai dit que c'est entretenir des clients, c'est un art. C'est un art, mettre les clients à l'aise. Donc, j'ai au moins eu deux relations où ils ont essayé de faire ça. Il va derrière mon dos. Il y a eu un autre coup où je lui ai dit, bon, je prends un peu, j'investis. Lui-même aussi met sa part sur ça. Il dit, bon, quand ça marche, tu me donnes mon argent comme ça, après tu multiplies juste. Si tu gardes l'argent de tes meubles pendant 2 ou 3 mois, au bout de 3, 4 mois, tu peux faire un deuxième meublé. Apportez, s'il vous plaît. Donc, à chaque fois, dès que ça donne un peu, il reçoit son premier argent. Quelqu'un entre, un client entre pour quelques jours. Il donne 800 euros. Un autre entre 1000 euros. Hey. Je lui dis que ne fais pas comme ça, fais comme ça. Il n'écoute pas. Un mois plus tard, boum, il est bloqué peut-être sur les plateformes. Il revient. Ça ne marche plus. Donc, quand tu commences à monter et tu appliques ce que ton intuition te dit, parce que beaucoup d'entre vous, vous connaissez les lois spirituelles de la richesse. Vos guides vous parlent déjà. Vous connaissez les lois spirituelles de la richesse. C'est quelque part dans ton esprit. C'est comme si tu connais ça intuitivement. Erreur Fombutuku. On ne montre pas au gars comment faire l'argent. Même s'il est en train de couler, laisse-le couler avec son business. Essayer de le conseiller, c'est chercher les problèmes. Et ça qui n'est pas le seul sur l'autre aussi. Facebook, vous m'entendez maintenant? Bonjour, Darlene. Tu veux sortir de ton mariage, tu ne travailles pas et tes parents ne veulent pas de toi. Et tes enfants chez eux. Ida, tu es paresseuse. Tu as compris, chérie? Chérie, tu es paresseuse. On ne quitte pas le mariage pour partir chez ses parents. Tu comprends, ma chérie Ida? Pour partir chez ses parents. Va dire à Chosen Cruiser qui te donne 5 000 francs pour acheter les choses. Chosen Cruiser, non. Il est ici en haut. Tu lui demandes si on peut faire la liste, il peut acheter les choses au marché. Tu es de quelle religion? Je n'ai pas de religion. Ma religion, c'est moi. On ne quitte pas le mariage. Ta famille. Mamie, c'est comme si tu avançais après tu faisais le rétrogradement. Ta famille te connaît comme la petite fille. Quand on se débarrassait de toi en t'envoyant au mariage. Oui. Le gars avec qui tu t'es marié, Ida, est-ce qu'il avait l'argent vraiment? Beaucoup d'entre vous, vous avez fait des mariages qu'on ne peut même pas vous envier. Elle s'est mariée avec un pauvre. Elle-même, elle n'est pas là. Ah. Le volume est bon. S'il faut que tu sortes de là pour aller même dormir, écoutez, mesdames. Ok, prends le papier, tu fais la liste. You put two chicken. To bring the list.
avant on nous demande comment combattre le non-accomplissement. Tu commences quelque chose, ça n'aboutit pas. Avant, tu commences, c'est toi qui abandonnes, ce n'est pas que ça n'aboutit pas. Mesdames, votre motivation, ton désir d'avancer doit être plus fort que ton envie de rester dans la maison où on t'insulte. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes paresseuses. Hein? Faites ce qu'on appelle self-checking. Bonjour, Mieda. Anaïs, bonjour. Checkez-vous vous-même. Vous êtes super, hyper paresseuse. Ton envie de quitter de la maison de l'homme-là qui t'insulte tous les jours. Le bailleur qui te... L'envie de sortir doit être tellement grande. Au Cameroun, on demande 10 mois de loyer pour aménager. Crois-moi, ma chérie. Si tu sors pendant un mois tous les jours, en attendant, dis que je vais sortir de cette maison. Tu sors, tu dis que je dois trouver au moins 4 mois. Au moins 4 mois de loyer. Tu trouves, Erika, tu peux avoir 4 mois de loyer. Tu viens supplier que pardon, papa, monsieur le bailleur, arrête l'agence. Je reviens encore dans quelques jours. Tu peux encore, tu cherches 2 mois de loyer. Tu dis que arrête, papa. Et n'ayez pas peur de commencer petit. C'est ça votre problème. Va prendre la chambre de 20 000, mamie. Même la chambre qu'on se lave dehors. Tu vas faire quoi chez les gens? Tu fais quoi chez les gens? Tu quittes le foyer, tu vas chez ta mère? Après avoir fait tous les enfants? Tu dois avoir honte qu'on s'occupe de tes enfants. C'est ça qui te motive pour que même la vente des beignets, si ça ne donne pas, tu pousses, tu passes. Main. En sortant le matin, tu dis que j'ai besoin de 10 000 francs aujourd'hui. Tu es dans la cour dehors, baigné, achetez mes beignets. Tu es dans les bureaux. Tonton, il y a les beignets. Hein? Tonton, tu vas voir un autre, va même te donner même. Il achète les beignets de 500, il te donne 3000. Il dit pas avec. Put leaves, les feuilles vertes avec. Put some tomato. You want to put in the freezer. Quand tu insultes la santé, dis rien, ma vie. Hein? On te manque de respect. La rentrée arrive. Voilà janvier. Commence à mettre l'argent de la pension de ton enfant dans le compte. Tu dois savoir que voilà la pension de l'enfant. Voilà ses fournitures scolaires. Voilà ce que je vais. Ouais, Pierre, c'est quoi avez-vous? Vous faites, on vous insulte, on vous manque de respect. Tu peux vivre dans une chambre de 20 000. Chaque jour que tu sors, tu pointes 10 000. Tu sais qu'en 2 jours de pointage, j'ai à payer mon loyer. Donc, il me reste encore 22 ou 25 jours de pointage. Quand tu dis que tu abandonnes vite, c'est parce que tu n'as pas d'objectif. Yakou, bonjour. Vous n'avez pas de décision prise. Vous n'avez pas de décision prise. Même si tu es en France, tu peux chercher. Au départ, quand je n'avais pas l'argent pour payer le bailleur, j'avais cherché un meublé. Tu n'as pas de changement, l'esprit de rejet doit être calé sur toi, Annick. Si tu as essayé le sel, ça ne marche pas. Arrête de te laver au sel. Ne me suis plus, s'il te plaît, Annick. Ok? Ne te lave plus au sel. C'est bon? Tu cherches même le meublé où tu vas payer 5 000 par jour. Quand tu n'as pas encore beaucoup d'argent.
Tu dis que je vais faire 10 jours dans cette maison, c'est-à-dire 50 000. Chaque jour que je songe, je dois pointer l'argent pour payer ce meublé, cette chambre, l'argent pour payer la chambre, l'argent pour économiser et payer ma future chambre que je veux prendre. Tu peux déterminer que je veux pointer 30 000 aujourd'hui. Tu sors, tu boostes, tu pousses, tu pousses. Dès que tu as un peu d'argent, tu as déjà localisé, en poussant ça là, tu cherches. Tu trouves un endroit, tu dis au bailleur, papa, donne-moi même 3 semaines pour payer. Dès que ça atteint 5 mois, j'entre. Le premier mois, je finis. Ou après 1 mois et demi, je finis. Did you put everything you need for the kitchen? You guys can go together. Did you put 2 chicken? Yes. Okay, that's fine. S'il vous plaît, mes chers, s'il vous plaît, I beg. Même s'il faut que tu puisses demander le canapé de quelqu'un, demande le canapé de quelqu'un que tu ne connais pas. Ne pas chez ta tante vivre. Ne pas, pardon. Si tu as même un collègue de boulot, supplie-le. Collègue, j'ai 100 euros pour le mois, si laisse-moi dormir sur ton canapé. Pendant que tu accumules l'argent. Mienda, ne te lève pas non, tu vas rester là où tu es. Écoutez, ce qui me plaît sur la vie et que j'ai découvert, c'est que si tu bouges, ça donne quelque chose. Tu ne bouges pas, ça ne donne rien. La vie n'est pas compliquée. Tu bouges, ça donne quelque chose. Tu ne bouges pas, ça ne donne rien. N'est-ce pas? Tu dors, tu vas tout rester chez les gens, on va t'insulter. Tu passes, on te toise, tu ouvres le frigo. On dit, elle a pris mon jus dans le frigo, elle fait même quoi ici? Ne vivez pas chez les gens. Je vais crier ça comment sur TikTok. Ne vivez pas chez les gens. Il y en a parmi vous, vous ne connaissez pas ce que c'est que de payer facture. Ta copine ou chez ta cousine, tu rentres à la préparer, tu peux ouvrir la mamie, tu manges. Tu crois que qui a financé la nourriture là? Hein? Qui a financé la nourriture que tu manges? Tu casses les os comme ça. Qui a financé? Ton mari n'est pas ton ralentisseur. Un jour, j'étais dans une relation avec un mec. J'ai commencé à me dire, c'est lui qui me ralentit. Maman, il est parti. Il m'a laissé. Je reste, la paresse me prend. La paresse me prend. Il dit, mais je croyais que c'était mon mari qui me bloquait. Comment je n'arrive pas à aller faire le sport que j'avais prévu? Je me disais souvent que s'il sort de la maison, si. Non, je vais courir. Je vais aller faire le sport tous les matins. J'ai passé 1 mois de sommeil. Ton mari n'est pas ton ralentisseur. Les gens vibreront toujours dans votre vie. Tant que vous allez rester sur leur vibration.
Si tu commences à te lever, tu fais ce que tu as fait. Tu lances tes business. Tu fais le jus, tu vends. Tu fais le beignet. Tu fais les croquettes. Tu fais ceci. Soit c'est toi qui vas sortir de la maison, soit c'est lui qui va sortir. Vous ne pouvez pas vibrer à des fréquences trop différentes et vous rester ensemble. Impossible. Ce n'est pas l'homme là qui te ralentit. Au départ, quand je me disais, bon, je vais sortir pour aller faire le sport avec mon mari. Premier jour, on part. Deuxième jour, on fait un peu. Ah. Ce n'est pas lui qui m'empêchait de faire le sport. Quand tu veux faire ta chose, tu vas aller faire. I hope you change even more. Tu as dit que mes leçons l'ont aidé à changer beaucoup. J'espère que tu vas changer encore plus. Oui. Tu nettoies, tu arranges les enfants. Tu n'as pas fait ce que tu as fait. Je veux faire mes vidéos, c'est parce que mon mari m'empêche. Non. Attends qu'il dort, tu te lèves, tu fais tes vidéos. Oui. C'est vous qui avez accepté. Take a lot of carrots so you can chop them and put them. Why are you taking the palm oil for? No, don't take it. I don't want to eat the palm oil. You have to write the menu as well. Write the menu. Quand je vois les situations que j'ai tolérées dans ma vie. Who is it? Most of those situations, it's because je parle en français. La plupart de ces situations, c'est parce que je ne voulais pas être seule. Et est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous, on a peur de voir notre meilleure version? Est-ce que tu sais que là où tu es là, tu as peur d'être riche? Est-ce que tu sais que là où tu es là, tu as peur d'être riche? Tu as voulu plaire aux gens, tu es marié. Tu as voulu plaire aux gens, tu as l'enfant. Tu as les enfants. Est-ce que quelqu'un s'est appointé pour te dire que voilà l'argent pour les enfants? Ok, pas de problème.
est-ce que là où tu es là, tu connais. Quelqu'un t'a dit que voilà la joie pour les enfants. Tu as couru, premier enfant, tu portes. Deuxième enfant, troisième enfant. Tu pousses, ça sort. Voilà dimanche, non, il faut préparer. Qui t'a demandé s'ils ont mangé? Bonjour, monsieur Abès. Bonjour. Tu es venu, Evelyne, tu es venu avec moi. Bonjour. Bonjour, bonne année. Bonne année, la mère. C'est elle. Oui, pour le ménage. Ok, pas de problème. Elle va travailler aujourd'hui. Oui, madame. Ok, pas de problème. Montre-lui alors ce qu'elle va faire. Parfois, vous avez peur. Si je vous attends, imagine-toi un peu, ma chérie. Ok? On ne va pas mettre un temps sur ça. Tu es dans un duplex de 7 chambres. C'est ta maison. Tout dedans est neuf. Dehors, tu as une dernière Prado qui est gardée. C'est pour toi. Tu as un chauffeur, tu as un jardinier, tu as un blanchisseur, tu as une cuisinière, tu as une ménagère. Je suis sûr que dans ta famille, il n'y a pas 20% des personnes de ta famille qui ont ça d'abord. Et même s'ils savaient que tu as ça, ils seront jaloux de toi. Vous connaissez vos tantes qui sont les plus riches de la famille là, qui ne veulent pas que quelqu'un soit riche comme elle. Donc ta tante veut être la seule riche de votre famille. Imagine-toi dans cette maison. La première chose que tu auras peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je n'arrive pas à payer le carburant, si je n'arrive pas à payer tous les salaires. Voilà les fausses peurs qui ont mis dans ta tête. Merci Mika. Tu vas commencer à avoir peur. Et si les gens me tuent? Et si? Multiplions. La résidence là, vois ça en France. Vois ça aux États-Unis. Tu as 5 résidences dans 5 pays. Toutes t'appartiennent. Quel est ton état d'esprit? Si on garde seulement une résidence, tu crois que ça va se passer quand? Puisque depuis, tu ne te bouges pas, ma chérie. Tu ne te bouges pas. Merci, Mika. L'opinion, personne ne viendra te donner cette maison. Et parfois, vos parents qui ont même les biens. Un jour, je me suis ressentie, je me dis, mais attends, pourquoi un parent qui a 15 maisons, 30 maisons, pourquoi tu attends de mourir avant de passer à tes enfants? Pourquoi? Si tu ne me donnes pas de ton vivant, ne me donne pas quand tu meurs. Voyez vos parents, oh Seigneur, comment j'ai les nerfs. Quand ils parlent, je mets les poumons comme ça là. Ils sont assez réfléchis, je réfléchis, je dis, waouh. Voilà encore un faux truc qu'on a mis dans votre... Sa Majesté, bonjour. Chic, merci. Supposons ton père a 10 maisons, il a 2 enfants. Il meurt quand tu as 52 ans ou 55 ans. Tu imagines ce que ça t'aurait fait si tu as, quand tu avais 20 ans, 25 ou 30 ans, il t'avait donné une maison. Hein? Non, je sais que c'est seulement moi qui pense comme ça. Ça va. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Bonjour le saint. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Ben Foster. Pourquoi ton père n'a pas porté une de ses maisons? Un 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Mon fils, je te la donne. Tout ce que je veux, ça ne me vend pas. La première option, tu peux vivre dedans. Deuxième option, tu deviens le bailleur. Tu gères. L'avantage, c'est qu'il est encore vivant pour te conseiller, te bouger un peu. Ok, si le locataire fait comme ça, fait comme ça. Tu ne penses pas que entre 20 ans et 30 ans, tu seras un peu plus mûr. Premièrement, tu n'auras plus les mots de tête de finances.
attendre quand le père a 90 ans. Toi, tu as 60 ans. C'est là qu'il te donne sa maison. Il meurt, on te donne la maison. Moi, mes idées sont trop... Mes idées sont à part. La façon dont je gère... Et trouver même un homme qui va accepter mes idées-là. Il va trouver que je suis... Ma part est trop fort pour lui. Il m'a dit, I cannot stand this woman. Pourquoi tu vas attendre quand tu meurs pour me donner? Hop. Donne-moi quand je suis vivante. Et mesdames, ayez de quoi passer à vos enfants. Ayez l'héritage à donner à vos enfants. Quelques blancs, chez les Watts, quand l'enfant naît, il vous ouvre le compte, il met des sous dedans. Quand l'enfant avait 23 ans, il finit l'université, il donne à l'enfant, il dit achète ta première maison. Voilà ton financement pour acheter ta première maison. Ce n'est pas bien. Voilà ton financement pour acheter ta première maison. Soit encore, tu prends une de tes maisons, tu donnes, tu changes le titre de propriété, tu donnes à l'enfant. Et je pense même que la meilleure façon de t'assurer que ta fille ou ton fils gère bien tes biens, c'est que tu donnes quand tu es encore vivant. Tu observes comment il fait. Il fait un peu comme ça, et tu dis, tu te ramènes chez lui, que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est pour ça que quand vous mourrez, les enfants dilapident vos choses. Ça le surprend. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous ne vous imaginez même pas en train de passer quelque chose à vos enfants. Merci le sang, merci pour les fleurs. Tu vas passer ta petite chambre que tu loues à l'enfant. Tu vas passer le contrat de bail à l'enfant. Réfléchissez, s'il vous plaît. Et beaucoup d'entre vous, les femmes, vous êtes mariées à des hommes que, dans leur projet sur 50 ans, ils ne voient pas ce qu'il va avoir pour passer à l'enfant. Tu fais quoi avec l'homme-là? Pourquoi vous voulez faire souffrir vos enfants? Pourquoi? Tu demandes pour mon chéri, on fait. Dans les plans, c'est comme si la même une autre femme dehors avec les enfants. Il ne prévoit rien de bon pour toi et ses enfants. Et il t'appelle parce que tu es sa femme. C'est pas bon. Réfléchissez. Je suis aussi là. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous n'avez rien à passer aux enfants. L'enfant va à l'université. Tu vas lui payer l'université de 50 000. Tu n'as même pas mis un petit argent de côté que tu vas. Même l'université au Cameroun pour payer, tu ne peux pas payer à l'enfant. C'est dangereux. Ta pauvreté, c'est toi qui la veux. Et tu es en train de programmer tes enfants pour la future pauvreté. Quand on dit que vous allez être riche sur les générations, c'est parce qu'une personne a changé la façon de faire. Et elle a changé la façon. Beaucoup d'entre vous, vos parents ne vous ont rien légué. Même les enfants uniques, vous n'avez rien. Rien, zéro. Tu es là. C'est dangereux.